Alors, où est-elle? Elle attend dans la pièce à côté. Je croyais t'avoir dit de garder les cheveux plus longs. Je les garderai comme ça si ça me plaît. Tu sauras qu'ici, on n'a pas à discuter les ordres. Assieds-toi, Sid. C'est l'heure de ma sieste. Que se passe-t-il de si grave? Je m'inquiète beaucoup de ta santé depuis cet examen à l'hôpital. Tu n'as pas de soucis à te faire, je suis encore en vie. Je n'en suis pas si sûre. Essaie de te détendre, ferme les yeux, laisse venir ton esprit jusqu'à moi. Laisse ton corps complètement libre de flotter. Laisse-le s'imprégner de la couleur de l'air. T'en prie, Janie, je peux me passer de ce cirque. Mais je le peux aussi. Ce qui signifie exactement quoi? Ça signifie que sœur Janice connaît tout de l'avenir et elle ne se réjouit pas de ce qu'elle sait. Elle n'aime pas du tout non plus le présent, je dois le reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu résides à longueur d'année dans le luxe. Tu reçois des sommes très importantes fournies par la dévotion de tes clients. La presse te fait mousser. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Si tu préfères retourner travailler dans l'usine où tu étais, tu es libre, tu sais. Non, je veux rester ici. Moi, je suis sœur Janice. Je représente tout ce que tu as. J'ai aussi Ève. Qu'est-ce que tu ferais ici sans elle? Que désires-tu exactement? Que ça continue, Janice. Je t'ai enseigné tout ce que tu sais en matière de voyance. Et tout ce qu'il y a ici, dans cette maison, c'est à moi et à moi seul que tu le dois. C'est vrai, oui, tu m'as fait ce que je suis. Hélas, je crains de ne plus avoir besoin de toi. Ce serait pas si facile que ça, Janice. Seul mot à la police ou seulement à un journaliste et c'est fini. Tu n'as plus qu'à retourner gagner ta vie à l'usine. Tu le sais très bien. Et toi, tu y gagnerais quoi? Tu sais que rien ne me touche. Je suis insensible. Je saurais me retrouver une autre associée, Janice. J'irai la pêcher au fond de l'océan. À qui songes-tu? À Eve? Crois-tu que cette petite sotte puisse faire ce que je fais? Si je lui apprends, oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Que veux-tu au juste? Nous obtenons des rentrées énormes. Tu prends 25% pour toi, le reste pour sœur Janice. Essaie de lire dans mes pensées. Ça y est? Alors tu as ma réponse, restons-en là. Bonne nuit, Sid. Je suis ravie que tu ailles mieux. Ève. Nous allons avoir à discuter tous les deux. Je m'en doute. Quand vous voudrez. Comme vivre au fond de l'océan, vous comprenez? Pas vraiment la vie. Comme dans un demi-sommeil. Quelque part, très loin d'ici, sur la frontière du réel. Et la chambre de la clinique avait une pâle couleur d'eau verte et translucide. Et vous avez eu peur? De quoi, chère madame, de mourir? J'aimerais être sûre que ce sera compris des lecteurs du journal. Jamais je n'ai eu peur de mourir. Je savais, c'est tout. Une sorte de certitude réconfortante. Une sorte de force au sens universel. Notre mort est inscrite dès la naissance et chacun de nous appartient à un ensemble sidéral. Vous savez, le temps est une pure invention de l'humanité. J'ai été blessée et... c'est Dieu qui m'a rappelé un beau jour à la vie.
Et il m'a laissé le pouvoir de me souvenir de l'au-delà, des impressions du fond de l'océan. Et aussi le pouvoir de lire mon avenir, non? C'est faisable, oui. Vous liriez mes pensées? En partie. Pour l'instant, je sais à quoi vous songez. Vous voudriez que je fasse une démonstration de toutes ces choses incroyables. Oui, c'est tout à fait ce que je pensais. Vous voyez, ce n'est pas une illusion. Il est 10h20, faisons un essai. J'ai encore quelques minutes à vous accorder. Vous aurez de bons exemples à donner à vos lecteurs. Ce ne sont que des voisins. Oh, j'aime bien que ce soit des gens proches de moi. Je me méfie d'après sa sensation. Détendez-vous. Essayez de ne penser à rien. Laissez la musique vous envahir. Vous avez une très forte volonté, Madame Colombo. Relâchez cette volonté. Libérez votre esprit. Tendez-le-moi. Laissez votre corps flotter dans la couleur de l'air. Couleur et musique, ne pensez qu'à ça. Une photographie, une petite fille. Dans les 7 à 8 ans. Un livre scolaire au nom de Jenny Colombo. Classe de 7e, bonne en lecture, assez mauvaise en mathématiques. D'autres photos, dont une assez passée. Un jeune policier en uniforme. Et puis une photo récente. Le même personnage en civil se tient aux côtés de Madame Colombo. Un permis de conduire, un numéro... Des numéros et une petite fille. Il faut surtout pas vous en faire pour Jenny, Madame Colombo. Laissez votre petite fille trouver sa voie. Elle fera des progrès en arithmétique très bientôt. Oh, restez tranquille. En tant que Capricorne, il me semble que généralement vous espérez trop des personnes qui vous entourent. Quelqu'un qui vous est cher. Quelqu'un de très proche me semble exercer une assez dangereuse profession, militaire ou policier. Je vois le danger. Le danger, il semble être à nos côtés. Un danger mortel. Porte de la mort. Oh, je m'excuse. C'est d'un autre côté, de mon côté, c'est proche de moi. Je le vois. Oh, c'est Sid. Sid Russell. Bonjour, Sid. Comment ça va ce matin? J'ai dit bonjour. Mais est-ce un bonjour, le dernier qu'on a à vivre? Ça ne t'effraie pas, Sid? Oh, peut-être n'as-tu pas peur de mourir. Tu devrais pourtant, je t'assure. La mort est inscrite en nous dès notre naissance. Tu m'as tout appris, Sid. Mais je ne suis plus ta chose, c'est fini. Ça ne marche plus entre nous, plus jamais. Je ne t'appartiens plus. Tu n'es plus dans le coup. Et c'est pour cette raison que je vais te tuer. Pourquoi ne dis-tu rien, Sid? Il serait temps de me parler. Tu n'as plus guère de temps. Tu vas sombrer dans le tréfonds de l'océan et flotter pour l'éternité dans la lumière verte. Vous êtes chez Sœur Janie, je vous écoute. Appelle-la. Qu'elle vienne tout de suite. J'ai peur que non, Sid, pas tout de suite. Dis-lui de venir le plus vite possible. Je regrette, elle est très occupée. Mais je la verrai tout à l'heure. S'il te plaît. Est-ce que tu pourrais? Je suis très occupée, c'est exact, je suis avec quelqu'un. Une dame journaliste. Qui voudrait écrire un petit article sur Janice. Elle témoignera qu'à l'heure de ta mort, j'étais avec elle. Que je ne l'ai pas quittée. Et je serai encore à ses côtés au moment où tu vas quitter notre vieille terre. C'est dans l'ordre des choses.
toujours éteindre le téléviseur, tu sais, Sid. À moins que la peur te paralyse. Serais-tu effrayé, Sid? Incroyable des expériences que j'ai eues au cours de mon existence. Je suis navrée de vous avoir fait peur. Il m'arrive de me faire peur à moi-même, quelquefois. Figurez-vous que Monsieur Russell est très proche de moi. Nous sommes associés. Excusez-moi, il faut que je l'appelle. Bonjour, je m'appelle Eve. Et moi, Kate Colombo. Ah, je sais, oui, nous vous attendions. Ah. Il doit se reposer. Eve est une amie, madame. Je suis sûre qu'elle deviendra bientôt la vôtre. Ah, mais ça, c'est une matinée que je ne suis pas prête d'oublier. Revenez nous voir quand vous le désirez. Je le ferai, merci. Sid voulait te voir. Il avait l'air très mal, tu sais. Veux-tu que nous discutions, Janice? Eh bien, discutons. Je sais que tu ne m'aimes pas beaucoup. Depuis le début. Depuis que Sid m'a fait venir avec lui. Mais je n'aime pas cette fausse situation. Jamais je n'ai tenté de te nuire. Tu n'as sûrement rien à craindre de moi. Il m'arrive souvent de deviner à quoi tu songes, vraiment, sans le secours de trucs. Je sens tes pensées dans ma propre tête. J'ai toujours su faire ça. Et je sais que tu détestes Sid. S'il te plaît, ne me déteste pas. Excusez-moi, c'est Monsieur Sid Russell. C'était lui, il n'y a pas si longtemps. Oh, je m'excuse encore, j'aimerais avoir quelques détails. Je fais une petite enquête pour l'hebdomadaire de mon quartier. Ah, c'est vous la dame à temps partiel? Je suis une journaliste à temps partiel, mais ma mère m'a toujours dit que j'étais une femme à temps complet. Ça doit être ce que je voulais dire. On m'a dit aussi qu'une vieille dame habitant ici a entendu tirer. Au moins, je ne m'intéresse pas à ce qui s'entend. Le mort, à ce que je sais, a fait un infarctus. Il se trouvait sous contrôle médical sévère. Il avait ces derniers temps subi une intervention chirurgicale à cause de l'infarctus. Et pour les coups de feu éventuels, allez voir le sergent Kaplan. Je pense qu'il devait être devant le poste de télévision à cette heure-là. Je ne sais pas ce qu'il regardait, mais c'était certainement quelque chose d'horrible. Puisqu'il a cassé son récepteur. Avant de tomber mort d'une attaque. Et cette personne d'à côté qui aurait entendu tirer? C'est ce qu'elle dit, mais ça venait peut-être de la télévision. L'autre voisin n'a rien remarqué. Écoutez, l'appartement de ce côté n'est pas occupé, alors veuillez m'excuser. Mais sans doute êtes-vous pressé par la sortie de votre journal. Oh non, mon journal ne sortira que mardi. Mardi prochain? Oui, après la réunion de parents d'élèves de lundi. Sergent, le poste est sur le canal 4. Vous savez ce qu'il y a à cette heure-là sur le canal 4? Je vais être franc avec vous, Madame Colombo. Le matin à 10h, il est très rare que je regarde la télévision. Ce sont les comptes de ma Merlois à 10h. Il y aurait des coups de fusil dans ces histoires-là, dans les comptes de ma Merlois, j'en doute. Bien sûr, ça serait, mais c'est peut-être une adaptation très libre. Bon, je vais aller voir ça. Sergent, est-ce qu'il avait mis ses pantoufles? Qu'est-ce que vous dites? Il avait les pieds nus? Ah, il portait un pyjama. Et rien aux pieds? Rien aux pieds, non. Bah, pourquoi serait-il allé de son lit jusqu'à la télévision sans ses pantoufles? C'est curieux. Il les a peut-être jetées contre la télé? On les trouverait, non? Où sont-elles? En dessous. Il n'y a rien du tout.
Et il a peut-être pu les remettre. Non? Avant d'avoir son attaque? Madame, interrogez le médecin sur ce mystère. J'y suis déjà allée. J'aurais dû m'en douter. Quand on a décroché, un policier a répondu. Alors je suis venue me rendre compte. Ah, rebonjour, Madame Colombo. Je suis vraiment désolée de la mort de votre ami. Vous vous connaissez déjà? Nous nous sommes vus ce matin, oui. Sœur Janice a eu une prémonition de la mort de Monsieur Russell. C'est exact, oui, une très forte intuition. C'est là qu'on l'a découvert, je pense. Oui, madame, dans la chambre. Vous saviez qu'il portait un stimulateur? Il était cardiaque. Et quand cette prémonition lui est-elle venue? Il devait être 10h30, c'est-à-dire juste à l'heure où M. Russell mourait de son attaque. Et vous étiez ensemble toutes les deux à cette heure-là? Oui. Ça, c'est une prémonition. Ma femme en a eu beaucoup déjà, mais jamais ça n'a réussi. Le sergent dit qu'un voisin prétend avoir entendu tirer. Le sergent dit aussi que votre ami, M. Russell, a brisé son poste de télévision dans un accès de fureur. Mais peut-être ne regardait-il pas la télévision. Pas les comptes de ma mère loin, en tout cas. Que pensez-vous trouver? J'en sais rien. C'est un de ces appareils qui fonctionne avec des bandes. C'est la vidéo, je crois, c'est bien ça? Oui, ça a l'air d'être ça. Il est possible que ce soit ce qu'il regardait. Il est vide, cet appareil. Il n'y a pas de cassette. En tout cas, j'en vois pas. Alors, les contes de ma mère Loi, dans ce cas, sont terrifiants. Madame Colombo, je ne suis pas du genre superstitieux. Croyez-moi, j'ai déjà assez de mal à faire marcher correctement cet hebdomadaire. J'ai perdu une grande partie de mes illusions le jour où je me suis aperçu qu'au-dessous de la glace, les cornets de gaufres étaient vides. Et le reste, je l'ai perdu au cours des 3 ans que j'ai passé comme journaliste au Buffalo Evening Times. Vous voulez un café? Merci, non, j'ai pas le temps. J'ai la petite à aller prendre à l'école et j'ai ma cuisine à nettoyer. Ça vous intéresserait quelques 300 mots sur les concurrents qui ont remporté le grand concours de culture de roses? Oh, moi, j'ai jamais aimé les roses. Monsieur Alden, je me trouvais dans la même pièce en même temps qu'elle. Je vous assure qu'elle m'a bien parlé de Jenny. Bah, l'hiverne. Elle sait ce que fait mon mari, elle l'a dit. C'est qu'il y a un truc. Elle a dit aussi que ce Sid Russell était à deux doigts de rendre l'âme. Il est mort tout seul ou bien elle l'a poussé? Vous n'avez aucune raison de dire ces choses-là? Madame Colombo, pourrais-je connaître votre signe astrologique? Bien sûr. Je suis Capricorne. J'étais sûr que vous le saviez. Et moi, je suis quoi? J'en sais rien. Bah, moi non plus, je n'en sais rien. Je tiens pas à le savoir. Alors, adieu, Madame Colombo. J'adore votre article sur le concours des roses. Un de ces jours, Monsieur Alden. Qu'est-il donc, Madame Colombo? Je crois que je viens de voir la lumière verte, la douce couleur de l'air. Celle qui luit dans les profondeurs de l'océan. Me
Monsieur Howard Down. Il a quitté le bureau aux environs de 11h. Il a passé le reste de la journée aux courses. Pariait assez gros dans 4 courses. Il a tout perdu à la fin. Et qu'avons-nous sur Madame Canfield? Madame Canfield, il y a 2 jours, à 2h l'après-midi, avait rendez-vous avec quelqu'un devant l'entrée du Royal Crest Hotel. Ce quelqu'un était plutôt assez grand, blond, la trentaine, athlétique. Ils ont pris la chambre 14. Elle est rentrée avant son mari. Merci, Eve. J'ai bien travaillé, non? Oui. C'est très bien. Oh, j'ai peut-être autre chose. Une femme qui tenait une valise à la main a pénétré seule dans l'appartement où habitait Sid Russell. Il était 4h de l'après-midi. Sid était alors à la clinique. Elle est allée dans l'appartement voisin qui est inoccupé. Et elle est passée ensuite dans celui de Sid. Tu as encore mieux travaillé que je ne m'y attendais. Eh bien, tant mieux alors. Nous voilà seules toutes les deux. Il nous faudra sans doute nous épauler si on doit continuer. Il faut nous faire confiance, n'est-ce pas? Je sens que tu es toute prête à me croire. Bonsoir, Janice. Il venait juste d'être décoré. Et le mobilier est pratiquement tout neuf. C'est une belle affaire. Nous avons nos meubles, madame. Ah. Oh oui, je mettrai le canapé à cet endroit. Et le grand fauteuil ici. Ce sera parfait. Nous avons ici des personnes très tranquilles, madame Colombo. Des retraités, des gens âgés qui ont un certain revenu. Et nous allons sûrement avoir bientôt chez nous sœur Janice. Vous connaissez? Je vous demande pardon. Sœur Janice la voyante. Oh. Elle est intéressée par notre appartement d'à côté, je crois. Nous en avons en fait 2 autres, le 120 et aussi le 403. Si vous voulez les voir, c'est très facile. En sortant, laissez les clés au gardien, faites des comparaisons. Merci. Oh, mais j'adore déjà celui-ci. Alors, je vous laisse penser à votre gré. Programme soit ridicule.
vers le nord. Réfléchis un peu. 29, allô 29, répondez. 29, oui, j'écoute. Excusez-moi, patron, une jolie fille qui passait. 10-4. 10-4, Charlie. Ça y est, Jenny. Celui-là, je te le donne. Premier prix, tiens. Pourquoi faire? Parce que je sais que tu es maintenant en excellente santé. Vous allez pas me faire de piqûre aujourd'hui? Une piqûre? Oui. Et pourquoi? Tu en voudrais une? Oh, alors ça, non. Bon, bah alors ça va. Mignon n'a pas d'inscrite sur le registre aujourd'hui. Maman avait dit que j'allais en avoir une. Eh bon, on pourrait peut-être la lui faire elle. Oh non, tout, mais pas ça, docteur. Où en êtes-vous? J'ai gagné un joli ballon, regarde. Oh, magnifique. Je peux vous parler une petite minute? Ah, bien sûr. Va m'attendre à côté, tu liras les magazines. J'ai pas eu de piqûre. T'en reviens pas, hein? Eh bien, je vous écoute, madame. J'aimerais que vous me parliez des stimulateurs. Vous voulez dire cardiaque, des pacemakers? C'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes cardiaque? Oh, j'ai un cœur en acier. Votre mari? Oh, le sien est en or. Non, il n'y a pas de danger. J'ai écrit un article sur le sujet, c'est tout. En fait, pour les pacemakers, je devrais vous adresser à un confrère cardiologue. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. J'en ai un là, dans la poitrine, et je peux en parler. Je suis prête à vous écouter. Vous êtes un être très affectueux, Madame Canfield. Vous avez besoin d'amour. Je le ressens très fort. Oh, il y a une personne, un homme blond et grand, qui n'est pas votre mari, mais qui tient beaucoup à vous. Et je sais que vous méritez son affection. Cette personne a une énorme importance dans votre existence. Et c'est réciproque. Merci, sœur Janice. Merci mille fois. Vous êtes une femme très attachante, Madame Canfield. Vous êtes une personne fort attachante, chère Madame Colombo. J'aurai plaisir à vous connaître encore mieux. Je crois que ça viendra. Nous allons nous connaître mieux. Sœur Janice a réussi l'autre jour à me faire ressentir de curieuses sensations. C'est comme une sorte de prémonition. Madame Colombo, quel plaisir de vous revoir. Je suis juste venue passer un moment, si vous avez un moment. Ah oui, j'en ai un. Eve, s'il te plaît. Excusez-moi. Voulez-vous un peu de thé? Oh non, merci. C'est au sujet de mon article. Je voulais être sûre que vous ne verriez pas d'inconvénient à ce que je parle de votre prophétie concernant la mort de Monsieur Russell. Oh, pas du tout. J'ai déjà reçu des appels des gens de la presse. Je crois que c'est le mot de prophétie qui me choque un peu. Ça n'était en réalité qu'une intuition, rien d'autre. Oh. Je vais choisir les mots avec soin, rassurez-vous, sœur Janice. Je ne vais déjà rien dire de précis à propos de l'affaire du bloc-notes. Non plus sur celle du trousseau de clés. Lorsque je suis venue vous voir le premier jour, je me souviens très bien que dans ma voiture, j'ai sorti ce bloc de mon sac où je le range. J'ai pris des notes pour notre entretien. Et j'ai rangé mon trousseau de clés en le posant au fond de mon sac, c'est tout simple. Et puis nous avons parlé, vous et moi. J'ai pris encore quelques notes et j'ai remis le bloc dans mon sac, comme d'habitude. Je vous ai suivi dans l'autre pièce qui est si sombre. Vous vous en souvenez? Oh, je m'en souviens, Madame Colombo. Et là, vous avez parlé en donnant de remarquables détails sur ma personne. Après ça, une fois dans ma voiture, j'ai repris le bloc et trouvé mon trousseau. Curieusement accroché en haut du bloc. C'est drôle, non? Regardez, que faisait-il là? Il semble que l'argument soit vague, non? Il est pourtant très clair, Janice. Quelqu'un s'est permis de fouiller dans mon sac pendant que nous étions ensemble. Vous nous accuseriez de pratiquer une espèce de... enfin, de tricherie. Mais oui, c'est ça, Janice. C'est bien une accusation. Vous truquez. Est-ce que vous savez ce que la police a trouvé sur Sid Russell? Non. Je pense que vous allez me dire ce que c'est. Il a eu déjà deux accusations pour escroquerie, pour fraude. Spécialiste, paraît-il, de la fausse voyance de grand luxe. A-t-on réussi à le condamner, Madame Colombo? Non.
Non, il a toujours été acquitté jusqu'ici. Je suis rassurée. Des milliers d'accusations de ce genre arrivent jusqu'à nous. Si ça résout le mystère des prouesses scolaires de mon héritière, par contre, ça ne résoudra pas celui de la prédiction du décès de Russell. Je vais tout de même vous donner une précision, Madame Colombo. Quel que soit le truc que nous utilisons, puisque c'est le terme que vous avez choisi, je peux vous assurer, madame, que quatre fois au cours de mon existence, j'ai eu d'authentiques prémonitions sur la mort de certaines gens. La première fois, j'étais encore enfant. J'ai vu ma mère nous quitter. La seconde, je venais d'avoir 20 ans. Et j'ai eu la prescience de la mort d'un homme que j'adorais. Quant à la troisième fois, c'était Sid. Et voilà tout à coup que pendant la nuit dernière, j'ai eu le quatrième pressentiment. J'ai vu un autre décès s'inscrire ici, dans notre entourage. Mais qui est-ce? Moi? Ève? Ou peut-être bien que c'est vous, Madame Colombo. Je n'ai pas réussi à avoir d'autres détails. C'est dommage. Il nous suffit d'attendre. Merci de cette compréhension. Merci de votre compréhension. Soyez très prudent. Alors, Janice? Ève, que crois-tu gagner en faisant ça? Je voudrais nous épargner les ennuis. Je suis certaine que je peux être utile. Elle sait que tu t'es servi de son sac. Et je suis en grand danger. Est-ce que tu sais que le revolver de Sid n'est plus là où il le rangeait? Assieds-toi, Janice. Pourquoi fais-tu tout ça, Ève? Je suis sœur Ève. Note-le. C'est noté, sœur Ève. Oh! Oh, Jenny! C'est pas ce livre-là qu'il fallait. C'est un vieux bouquin qui date de Mathusalem. Il fallait prendre l'autre. Alors j'ai raté mon coup. Non, c'est pas toi. Tu lui as fait ce qu'il fallait. Le bouquin s'est trompé. Regarde. Il faut faire comme c'est écrit là. Je sais pas pourquoi je garde tous ces livres de recettes, moi. Jenny, aurais-tu envie d'aller chez tante Lucie? Thank you.
asseyez-vous bien droite, les yeux fermés. Bien détendu, bien détendu. Ayez l'air très calme. Posez vos mains sur les accoudoirs du fauteuil. Non, bien droite, les yeux fermés, calme et concentré. C'est intéressant. Voilà, comme ça, mais sans raideur. Vous voulez qu'on vous croie? Laissez-vous aller. Bon, allez-y. Jouez-moi la scène. Couleur, musique. J'écoute. Fermez les yeux. Entendez la musique. Laissez votre corps flotter dans la couleur de l'air. C'est presque fini. C'est pas mal. Je crois que nous y arrivons. Il y en a une bien meilleure que ça. J'ai passé la journée à visionner ces cassettes. Toute la série des leçons de M. Cédressel. Je trouve ça passionnant. Mais attendez de voir la meilleure. Madame Colombo, une petite minute. Bonjour, Sid. Comment ça va ce matin? Je dis bonjour, mais je me demande si c'en est un le dernier jour qu'il nous reste sur Terre. Vous voulez la suite? Non. Ça ne t'effraie pas trop, Sid? Où l'avez-vous trouvé? Oh, je faisais un gâteau avec ma fille Jenny et je n'arrivais pas à remettre le livre de cuisine en place. Il y en avait un de trop. Et de la même façon, je n'ai pas réussi à remettre à sa place la statuette. Alors je me suis dit que peut-être vous étiez passé dans la chambre le jour où Cédressel est mort. Après avoir retiré la cassette de son lecteur, vous l'avez rangée à côté des autres. Comme ça. Et bien sûr, la statuette ne pouvait plus entrer. Vous voyez? Et pourtant, elle y était. Est-ce que vous insinuez que j'ai tué Sid Russell en utilisant un enregistrement? Cet appareil a été programmé pour 10h30. Et l'explosion, ce coup de feu que la voisine a entendu. Tu peux toujours éteindre le récepteur, à moins que tu aies peur de te déplacer, Sid. Est-ce que tu as peur en ce moment? J'ai retrouvé ces piles électriques, placées ici, dans ce coin. Avec cette horloge. Son fil de contact allait tout droit à la télévision qui est là. J'en ai parlé à un de mes amis. Il dit que cet appareil a dû servir à déclencher une charge, une explosion. Celle qui a fait sauter l'écran. Juste en même temps que vous tiriez. J'aurais tué Sid rien qu'en faisant ça. Je crains que l'idée ne soit assez extravagante. Mon rédacteur a fait quelques petites recherches dans les archives et il a fini par découvrir que, avant d'être ce que vous êtes, vous étiez dans une usine construction électronique, je crois, non? Et alors, il y a cela aussi. C'est un émetteur-récepteur, Citizen Band, qui lui a perturbé son stimulateur et qui a stoppé son cœur. Il n'est pas mort de peur, Sœur Janice. Ça a seulement un peu aidé. J'ai compris tout le système. Il y a cet autre appareil, réglé sur 10h30 aussi. Qui déclenche la Citizen Band. L'antenne est dans l'autre appartement, près de la cloison. Les ondes envoyées par la radio ont interféré dans le fonctionnement du stimulateur. Je ne saurais entrer dans les petits détails, bien sûr. Ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'on s'est servi de la Citizen Band. De l'écran, de l'explosion. Il y a le mobile aussi. Sur l'enregistrement. Je crains que cette idée ne soit extravagante. Pourquoi avez-vous fait cela? C'est sans doute parce que j'ai horreur des charlatans. J'ai horreur de toutes les sœurs Janice. Ce sont des tricheuses. Vous vivez de la peur du monde. Je connais les idées de cette fille. Elle ne pense qu'à une chose, prendre la succession. Mais je crains que vous ne nous gêniez. Est-ce que vous allez me tuer? Oui, je suppose qu'il va le falloir. Alors annoncez-le à nos auditeurs. Dites-le à tous les chauffeurs, à tous les camionneurs, les chauffeurs de taxi, à tous les cibistes qui nous écoutent. N'hésitez pas, allez-y, parlez. Ils ont sûrement entendu nos paroles. Écoutez. Mais Fred, t'as entendu? Il y a quelqu'un qui a parlé de tuer. Ouais, j'ai entendu. C'est une blague ou quoi? J'ai entendu aussi, ça a l'air sérieux. Qui est Sœur Janice? Allô, je suis Kate Colombo. Et j'aimerais contacter la police.